C'est une petite rivière qui descend des Rhodopes, les montagnes sauvages qui font la frontière entre la Bulgarie et la Grèce du Nord. Elle a creusé sa voie dans des coulées de lave, en façonnant des falaises, des plateaux rocheux, des prairies magnifiques. L'homme y fait de l'élevage, mais de façon très particulière. Les troupeaux se gèrent seuls et vont et viennent à leur guise. Si un problème survient, la nature fait l'équarrissage. Seul aménagement des éleveurs, un bouquet de peupliers planté tous les 3 km pour apporter de l'ombre aux cheptels qui viennent boire à la rivière. Nous nous sommes installés là et y sommes restés 2 semaines entières. La vie était là, omniprésente. Des petits buissons épineux ont poussé çà et là, permettant l'installation de nombreux oiseaux insectivores.
À côté des peupliers, quelques saules ont poussé. Malmenés par les crues, beaucoup sont morts, au moins en partie. Et ceux-là, les pics en ont besoin. Ce couple de pics et pêches vient de terminer sa nouvelle loge. Ils n'ont pas encore pondu, mais montent la garde. Parce que tout autour, les squatteurs guettent. Je surveillais les étourneaux quand j'ai senti une présence. Une femelle de pivert était là, tout près. Elle s'est approchée tout doucement d'un trou que je n'avais pas vu. Une loge fraîche. Et le mâle qui vient de sortir, c'est un relais. Les œufs sont déjà pondus. Lui, c'est le joyau du lieu, l'oiseau bleu, le relier. Cela fait une semaine que je le guettais. Il était là, à chasser un peu, il attendait surtout, et visitait régulièrement un trou de pivert de l'année précédente. Ce trou lui paraissait bien, enfin presque. Ce matin, ils sont deux. La femelle est enfin arrivée d'Afrique. Les offrandes se succèdent. Puis, on passe aux choses sérieuses. Le mâle montre à la femelle son palais. Ça y est, elle a compris le message. Bon, un peu juste, mais au moins, on est sûr de ne pas se faire déloger par plus gros que nous. Juste à côté, un mâle de pigrièche à tête rousse fait sa cour.
La cigogne noire niche dans les falaises, mais vient se nourrir ici, à la rivière. Elle ne pêche pas à l'affût comme le héron, mais à la course. Il y a aussi des oiseaux plus petits sur les bancs de sable, les petits gravelots. Ils pondent leurs œufs dans les galets à même le sol. Quatre petits galets ronds, bien alignés, parmi les autres. Ce mâle de saltique surveille les allées et venues du couple. J'étais venu guetter ma cigogne et j'ai rencontré Martin. Il avait creusé là son nid extraordinaire. Un long tunnel de 50 cm de long, tapissé d'un torchis argileux, qui débouche sur une chambre nuptiale, grande comme un ballon de rugby et totalement crépi. Quatre ou cinq jeunes affamés, les proies sont toujours dans le bon sens, prêtes à être avalées par les jeunes. Juste à côté, cet oiseau est là depuis quelques jours et chante du matin au soir, une hippolaïs pâle. Profusion d'insectes, les prédateurs sont là. Trois espèces de pigrièches au même endroit. L'écorcheur, la poitrine rose et la tête rousse.
Ce drôle de papillon est l'échancré. Je n'ai jamais vu autant de papillons. Mais ici, au bord de la rivière, il y a aussi les guêpiers. Couleur extraordinaire, long bec pour attraper les insectes. Et creuser les tunnels. Son nid est aussi creusé dans le sable, mais il est bien moins solide que celui du martin. Il s'effondre souvent sur la nichée. Ils sont bruyants, bagarreurs, et cela attire l'attention. Ce mâle d'épervier est à peine plus gros que lui, et il est en train de le plumer vivant. Avant de l'emporter à ses jeunes. Il y a aussi les cigognes blanches. Étonnant de voir son nid couronné de nids de moineaux espagnols qui pourraient être gobés d'un coup de bec et qui sont tolérés parce qu'ils sont les précieux éboueurs du lieu. Et ces éboueurs-là sont aussi précieux.